Première de Solidaire d'abord sur Fréquence 7, on a la chance que Fréquence 7 continue à nous ouvrir la possibilité de développer plein d'informations qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on développe sur les chaînes mainstream. Alors d'abord, depuis un mois, petit à petit, la mobilisation des samedis était en baisse. Il n'y avait plus que 30, 40 personnes, 50 personnes la dernière fois qui venaient protester sur Aubenas contre le pass sanitaire, et en tout cas tout ce qui a à voir avec les lois liberticides. Mais grâce à notre grand pédagogue qui est venu nous parler de comment il a envie de traiter les gens, et ben la samedi dernier il y avait 500 personnes, peut-être plus que 500 personnes dans la rue, pour dire que sa pédagogie elle restait un peu en travers de la gorge. Voilà. Alors ces gens étaient contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Je suis allé les interviewer pour voir. Donc il y en avait qui étaient contre le pass sanitaire ou contre le pass vaccinal. Il y en avait qui étaient contre le fait qu'il y ait une suspension de personnel sans droit. En plus, les gens se retrouvent sans droit. Alors c'est vrai que Macron, en donnant ses voeux, a expliqué qu'on avait beaucoup de devoirs, mais il ne parlait pas trop des droits. Alors, on a l'impression qu'on retombe. C'est les serfs qui avaient beaucoup de devoirs, mais qui n'avaient pas de droits. Hein. Enfin, il faut aller loin pour retrouver ça. Les gens que j'ai interviewés, il y en avait certains qui étaient contre la suppression des lits. Alors, il faut quand même savoir que depuis la Macronie, il y a eu 17 000 lits supprimés à l'hôpital, 7 000 depuis la pandémie. Chercher l'erreur, parce que bon, il y avait quelqu'un qui brandissait une pancarte et qui disait moi je suis pas d'accord pour que les gens qui ont supprimé des lits soient soignés à l'hôpital. Voilà, puisque Macron veut plus soigner les gens qui sont contre ça, voilà, lui, c'était sa réponse. Je trouvais que c'est pas mal quand même. Ces gens, il y en a certains qui sont contre les lois liberticides. Il y en a qui sont contre la séparation des citoyens, et que ça suppose qu'il y a des bons et des mauvais citoyens, hein, qu'on emmerde les gens, enfin bon, voilà. Il y en a qui sont contre le fichage, il y en a qui sont contre le fait qu'on soit obligé de donner les informations personnelles, puisque quand on rentre dans le traçage qu'on peut avoir avec ce pass sanitaire, ben on se retrouve avec des infos qu'on n'a pas forcément envie de dire. Alors en même temps, il y a toute cette ambiance anxiogène qu'on peut trouver sur toutes les chaînes, à la télé ou partout, et même Pujadas, alors là, moi j'étais complètement sidéré, Pujadas qui est quand même... qui a toujours été porteur de la pensée unique, trouvait que quand même ils y allaient fort, parce que finalement Omicron n'est pas peut-être Omicron. Alors c'est Omicron ou Omicron. Alors c'est parce que il faut appeler Macron, soit Macron, c'est comme vous voulez. Et donc lui, bah, il expliquait que avec Omicron, on était peut-être dans une phase où ça allait s'arranger, donc il n'était pas question de continuer à rendre cette ambiance anxiogène permanente. Alors Macron a quand même donné 30 millions de doses aux pays démunis, ce qui est vachement bien, sauf qu'il en avait promis 60 millions, mais il ne les a pas donnés. Et les 30 millions qu'il a donnés, c'est des AstraZeneca. Oui, et c'est des doses qui étaient à limite de périmation. Voilà, il y a une partie qui donne la tête. Tout à fait. Donc, en plus, quand il les a données, il y en avait qui étaient tellement en limite de PS2 que les gens, ils n'ont pas pu s'en servir. Voilà. Elles étaient périmées à peine arrivées. Voilà. On ne libère pas les brevets. Macron s'était engagé à un moment, il était là, hésitant, en train de dire on va peut-être limiter donner les brevets à tout le monde pour pouvoir avoir ce vaccin, puisque le problème est mondial quand même. Hein. Oui, et puis c'est les subventions, ils ont touché des aides pour la recherche. Voilà. Mais finalement, non, on ne libère pas les vaccins. Et par contre, on décore Buzyn. Souvenez-vous, Buzyn, au début de la pandémie, hein, elle
elle était ministre à l'époque, et elle a quand même dit « j'en ai assez du discours catastrophiste sur l'hôpital ». Et résultat, elle a quand même été décorée chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Donc on peut le dire, tu peux le dire si tu veux, hop, t'es décoré de la Légion d'honneur. Après, Aurore Berger nous expliquait que plus de lits à l'hôpital, non, ça va pas du tout, parce que ça voudrait dire plus de gens en réanimation, et puis ça voudrait dire plus de décès. Alors, est-ce que c'est une affaire comptable tout court, ou est-ce que, comme le canard le propose, il suffirait de supprimer des places au cimetière et comme ça on aurait moins de morts, hein, parce que dans la même logique, enfin voilà, enfin bref. On est rentré dans une inflation petit à petit, 5-6%, voire les projections sont à 20% pour la zone euro pour cette année, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On a dans la période électorale qu'on a, dans laquelle on est, on nous parle de 3 000 milliards de dettes pour 2022, donc c'est une catastrophe, sauf qu'aux États-Unis, il faudra relativiser les choses, et eux, ils en sont à 31 400 milliards quand même de dettes, voilà. Et alors, puisque tu es là, Pierre-Yves, puisque aujourd'hui tu es notre invité, moi, j'ai plein de questions sur, justement, tout ce qui a à voir avec alors, le pouvoir d'achat, les salaires qui sont gelés, etc. Et évidemment, le fait que ben, on continue à nous dire que ben, le bio peut être plus cher, que c'est pas non... Donc, dans la période dans laquelle on rentre, avec cette inflation qui menace, c'est peut-être pas si simple que ça d'arriver à défendre les produits bio, bien que moi je suis complètement d'accord sur le fait que j'ai envie de défendre les produits bio, hein, qu'il n'y ait pas de tourloupe là-dessus. Mais voilà, c'est, comment on arrive à articuler là-dessus L'idéal, ce serait une meilleure répartition des richesses, c'est évident. Parce que le prix de l'alimentation n'a pas cessé de baisser depuis presque 60 ans. Et en fait, l'argent qui a été libéré est parti ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité. Donc tout un tas de secteurs d'activité se sont développés. Maintenant, c'est difficile de faire machine arrière. Donc il y a deux solutions. Soit on arrive à répartir les salaires de mieux en mieux. Et là, il y a des propositions, et puis il y en a alors plusieurs. Soit une autre solution aussi qui peut être proposée, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Ouais. Mais si on prend la baguette, c'est 8% du prix de la baguette, c'est la farine. Ça revient au paysan, 8%. Tout le reste, c'est de l'agroalimentaire, c'est les meuniers, c'est le fabricant de pain. Tout le reste, c'est il n'y a que 8% pour le paysan. Oui, bah plus le produit est transformé, évidemment, moins la part du paysan est importante. Après, sur les fruits et légumes, c'est différent. Mais je veux dire, c'est évident, hein, à partir du moment où il y a une transformation, il y a du transport, il y a aussi... Pardon, mais dans ce que tu suggères, là, Denis, à l'instant, ça veut dire que si on a une farine extra, bio, tout ce que tu veux, en fait, ça ne va pas impacter beaucoup le prix. Non, quand ils disent que... Oui, alors après, ça dépend, parce qu'il y a des... C'est par exemple, globalement, dans les magasins bio, on trouve souvent du pain qui tourne autour de 6 euros le kilo, entre 5 et 6 euros le kilo. Et le prix de la farine est quand même là plutôt... c'est rare qu'ils achètent ça à moins de 80 centimes d'euros le kilo, donc on n'est pas aux mêmes proportions. Quand même. Ah d'accord, ouais. Donc plus le produit est rare, quoi. Ça va dépendre après de tout un tas de... En effet, dans les supermarchés, ils achètent de la farine de très mauvaise qualité, donc elle n'est pas chère, quoi. Mais le pain de mauvaise qualité, non. Le pain, le blé qui est sélectionné pour faire le pain, c'est pas n'importe quel blé. La preuve, c'est que cette année, l'année passée, vu le problème climatique qu'on a eu, il y a beaucoup de blés qui ont été déclassés qui ne font pas de la farine. Donc non, il ne faut pas non plus dire que c'est... Non. Oui, mais voilà. en même temps, en supermarché, on sait bien qu'il y a plein de produits qui sont... Oui. Puis bon, la fabrication, c'est industriel, voilà, il y a des facteurs qui rentrent, la levure, tout ça. Il n'y a pas photo entre une farine... qui monte du blé qui produit à 120 quintaux à l'hectare et une farine qui est produite à 34 hectares.
Oui, il y a des embaumes, je ne sais pas, mais on trouve sur Internet des photos, des comparaisons sur des sols identiques avec des blés qui ont été travaillés en bio et des blés que, donc, sans ammonitrate, sans irrigation et sans, sans amendement rapide, souvent même d'ailleurs sur luzerne vivante, et on voit l'enracinement n'est pas du tout le même, donc avec un nutrit qu'il faut rechercher, pas la même. Ça n'est pas de la variété de blé aussi. On dit qu'un bon blé, c'est ce que disait avant les vieux, hein, il disait ça aussi pour plusieurs raisons, mais il disait que du blé et du vin suffisaient quoi, pour vivre. Il devait bien boire aussi. Mais je veux dire, le blé, quand le blé et le vin sont de bonne qualité, on est pas mal. Ouais. Mais bon, ça pose toute une question, enfin tout un ensemble de questions. Quand j'ai posé la question tout à l'heure, par rapport au pouvoir d'achat, effectivement, ce qu'on nous met tout le temps en avant, oui, toi, ce que tu dis, pareil, c'est une répartition de richesse. Juste développer la question. Le pouvoir d'achat tel qu'on nous le met en avant, ça veut dire on n'augmente pas les salaires, mais on se débrouille pour faire que les gens, avec le salaire qu'ils ont, puissent acheter plus de choses. Donc on leur produit de la merde. En fait. Alors après, il y a aussi, moi je reviens quand même sur le prix, la différence de prix de la bio, pas la bio d'ailleurs, des produits qui sont fabriqués autrement. Enfin, on compare toujours. C'est-à-dire que quand on achète les produits les moins chers, on n'a pas la même qualité de produit, du même produit. Moi, je vais donner un exemple typique. Le jambon cuit qui est vendu au magasin Place de l'Hérette de la Musette, pour faire 1 kg de jambon, le producteur, il va lui falloir 1,5 kg de viande. Par contre, si on achète 1 kg de jambon supermarché top budget, ça a été produit avec 700 g de viande. Parce qu'ils ont rajouté des superphosphates, du sucre et de l'eau. Donc lequel des deux est le moins cher? Le problème, il est là, hein, je parle par rapport à la qualité. Alors je comprends très bien que les gens, quand ils vont acheter, ils regardent simplement le prix comme ça brut. Mais il y a une réflexion aussi à porter là-dessus. Et après, ça n'empêche pas qu'évidemment, il faut trouver des solutions pour soit partager les richesses, soit soutenir l'alimentation de qualité. Moi, je trouve que la sécurité sociale de l'alimentation est un débat intéressant. Alors, bon, sur les produits, il y a une question que tu as menée, Denis. C'est justement, on a quand même des accords maintenant avec des traités de libre-échange internationaux qui font qu'on se retrouve avec des produits qu'on ne maîtrise absolument pas, qui rentrent sur le territoire. On veut soutenir l'agriculture en France et en Europe. Et puis, on passe des contrats avec les pays d'Amérique du Nord. Soit le Canada, les États-Unis ou le Mexique, ils font qu'ils n'ont pas du tout, et l'Argentine, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes et les mêmes normes. Ça fait qu'on importe des céréales ou des soja, des ci, des ça, et de la viande qui ne rentrerait pas dans les critères français et européens, mais ils sont importés, et du coup, ben oui, on mange ce qu'on a refusé à une époque de piquer les animaux aux hormones et compagnie, et bien à la sortie, ça revient par la bande, quoi. Et on se retrouve de nouveau avec des viandes qui sont pas conformes à ce qu'on nous impose, enfin, ce qu'on impose en France. Alors, toi, tu disais aussi, Pierre-Yves, qu'en Europe, il y a aussi en fait, un problème d'harmonisation, on va dire. Ouais, juste pour revenir sur ce que disait Denis, la solution à ça, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que chaque pays puisse produire sans mettre l'alimentation dans les accords de libre-échange. C'est-à-dire sortir l'alimentation des accords de libre-échange. C'est la souveraineté alimentaire, c'est la base de la souveraineté alimentaire. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, le terme de souveraineté alimentaire, il est sans arrêt repris. La souveraineté alimentaire, elle a été inventée, entre guillemets, par la Via Campesina en 1996, et elle définit ça. C'est-à-dire que c'est le droit à chaque peuple de produire une alimentation qui est la sienne sans être obligé, parce qu'en fait c'est des obligations après. C'est-à-dire sans être dépendant. Sans être dépendant. Après, pour répondre à ta question, Michel, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, dans la zone euro, l'échange, il n'y a même pas d'histoire d'accord de libre-échange, les échanges sont libres de fait que c'est la même communauté économique. En effet, les normes sanitaires et les normes sociales ne sont pas les mêmes. La seule solution qu'on peut imaginer qui pourrait fonctionner pour parler à ça, c'est les prix minimums d'entrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pays qui échangent entre eux n'ont pas les mêmes conditions, on ne peut pas vendre des produits. Parce qu'autrement, moi, par exemple, je vais m'installer en Roumanie demain,
je vais produire des céréales en Roumanie ou en Ukraine, puis je vais venir les vendre ici, et j'en vais savoir beaucoup moins cher que ce que font. Il y a un truc que je comprends pas vraiment, moi, parce que bon, on fait ces traités de libre-échange, comme tu disais, Denis, donc là, l'ENA, le CETA, etc. Et normalement, en Europe, on a des normes. Mais oui. Comment on arrive à rendre compatible le traité de libre-échange avec les normes qui sont pas compatibles avec ces traités avec, Moi, je suis pas assez technique. Ouais. Parce que, bon, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une tromperie sur la marchandise, c'est-à-dire que les normes européennes, quand on parle d'un pays européen, faut voir à quel point les gens sont obligés, quelque part, c'est-à-dire que ça devient plus important que la loi nationale, quelque part. Hein. C'est justement, c'est ça où moi je pense qu'il faut faire très gaffe avec ça, parce que je pense que c'est pas si... il peut y avoir des normes, par exemple le diméthoate, quand il a été interdit en France, il a été interdit en France. Là, le glyphosate, il a une autorisation européenne, il n'empêche que la France peut l'interdire sur son territoire. Ah, elle pourrait. Oui. Elle peut. Oui, il y a une date pour l'arbitre, mais bon. Non, après, ça, c'est l'autorisation européenne. C'est-à-dire qu'en fait, un produit qui est vendu dans un pays de l'Europe doit avoir une autorisation européenne, quel qu'il soit. Mais les pays ne sont pas obligés, chacun peut avoir des règles différentes d'un pays à l'autre. Et le diméthoate, maintenant, il est interdit dans, je crois, 7 pays d'Europe. Mais ce n'était pas le cas au début. Le diméthoate, c'était un produit qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il luttait contre le ver de la mouche de la cerise. Oui, la mouche de la cerise. Donc oui, en plus, bon... Et en même temps, tu, tout à l'heure, tous les deux, là, vous étiez en train de parler du fait que les règles sociales ne sont pas pareilles dans toute l'Europe. Donc ouais. ça veut dire que la main-d'œuvre n'est pas uniforme. Ça veut dire donc des concurrences qui ne sont absolument pas... D'où l'idée des prix minimums d'entrée. Oui. En fait, les prix minimums d'entrée vont permettre d'ajuster. Alors, il ne faut pas croire qu'au contraire, par effet de cascade, l'avantage des prix minimums d'entrée, c'est qu'ils auraient tendance à faire monter le niveau social des pays qui vont se retrouver taxés. Parce que, je veux dire, ils n'auront plus aucune raison de ne pas augmenter leur salaire. Aujourd'hui, la raison principale, c'est de pouvoir être concurrentiel. Le seul moyen d'éviter ces concurrences-là, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Oui, mais alors, au niveau mondial, par contre, c'est très difficile. Commençons déjà par l'Europe. Ouais. Sachant quand même qu'en agriculture, moi je ne me rappelle plus les chiffres, je ne suis pas fort, mais quand même une très grosse partie de la production reste en Europe. Quoi. On est quand même assez européen. Et déjà, si on arrive à faire un outil qui soit homogène au niveau européen, l'ambition serait déjà pas. Enfin, on exporte quand même la France et les gros exportateurs. Oui, elle exporte, mais enfin, je pense quand même qu'on est quand même une très grosse partie de notre production reste en Europe. Oui, enfin, bon, le vin, vins d'eau de gamme, que ce soit les champagnes ou les bourgeons et compagnie, l'exportation, on demande l'exportation, sinon, il n'y a pas qu'à faire. Et les céréales, c'est pareil. Oui, ça d'accord. Et déjà, si au niveau européen, on réussissait à harmoniser, à avoir des salaires à peu près équilibrés partout, on serait déjà pas mal. Donc là, ce que tu es en train de dire, en même temps, c'est on ne change pas le système, on harmonise. C'est-à-dire qu'on continue à être dans ce monde de libre-échange, de concurrence libre et non faussée qu'on nous a vendu pour l'Europe, et on n'est pas en train de dire, le système libéral a ses défauts et il faut qu'on arrive à intervenir pour arrêter quoi, les défauts que génère le système libéral. En fait, à partir du moment où le système libéral, son principe, c'est de mettre en concurrence, on parle d'agriculture, de mettre en concurrence les agriculteurs les uns avec les autres. À partir du moment où on ne les met plus en concurrence, puisque les prix sont régulés, on n'est plus dans un système libéral, puisque les prix sont régulés. Après, il y a un problème qui est récurrent en ce moment, c'est la main-d'œuvre étrangère. Donc, quand je dis étrangère, hors Europe. Alors, c'est encore une autre affaire, mais restons sur ce qu'on disait. À partir du moment où c'est régulé, il n'y a plus cette histoire de... Alors après, en effet, tu peux préférer acheter des céréales en Pologne. Parce que tu as envie de les acheter en Pologne, mais en fait tu vas payer le transport en plus, donc tu vas les acheter en France. Bien sûr. Donc à partir du moment, je veux dire, l'idée du libéralisme, elle naît si elle n'a pas des réglementations, mais ça a des réglementations qui l'empêchent de,
ça ne peut pas marcher. Ça ne sert à rien de dire je suis antilibéral au niveau philosophique si on ne fait rien sur le... Oui, mais de fait, le constat actuel est qu'il y a de telles disparités de règles... Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut... Si on mettait des prix minimums d'entrée, en Suisse, ça existe. En Suisse, alors, je ne défends pas le système politique suisse, mais il n'empêche que les prix minimums d'entrée existent pour l'agriculture. Les paysans suisses vendent leurs produits en Suisse. Oui, d'accord. Oui, mais l'agriculture suisse est énormément assurée. Alors après ça, c'est des zones de montagne. C'est pas la même musique pour les produits. Ce serait pas la même musique pour les produits manufacturés. Hein, c'est-à-dire que, je sais pas moi, une télé, On est bien resté sur le produit agricole. On a parlé de souveraineté alimentaire. Et une des manières d'appliquer la souveraineté alimentaire, c'est que chaque pays met des prix. D'accord. Oui, mais le FMI, il faut en revenir, le FMI, quand il donne des aides aux pays africains, il ne va pas du tout dans ce sens-là. Ah, oui. Il pousse les produits africains à faire se spécialiser parce que leur climat, leur ci, leur ça, voilà, l'eau, le manque d'eau. Pousse à l'export. Il pousse à l'export, pas à développer le pays. Voilà. Et au contraire, il est cool parce que finalement, ils deviennent plus autonomes alimentairement. Et donc après, ils viennent chez nous. Et là, il y a des gens qui disent, il faut les rejeter là. Je ne remets pas en cause ce que tu viens de dire, mais on n'est pas autonome non plus nous en France, alors qu'on pourrait très bien l'être. On n'est pas du tout autonome au niveau alimentaire, mais on pourrait très bien l'être. Pourquoi on n'est pas autonome, parce qu'on exporte une partie de notre production et qu'on en importe une autre. Oui. Donc mettons des prix minimum d'entrée et ça réduira tout. Oui, parce qu'on a coulé l'agriculture, parce que certains pays du sud de l'Europe font des produits alimentaires à des coûts... Ouais, c'est ce que je dis, mettons les prix minimum d'entrée et forcément l'agriculture française, chaque pays aura son... Oui, mais les... Le pire, c'est des pays comme l'Algérie. Hein. L'Algérie, c'est un pays qui ne produit même pas 20% de ce qu'elle utilise. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont signé des traités avec les pays européens en disant « nous, on vous vend du pétrole et nous, on vous vend l'alimentation en échange ». Et donc, du coup, ils ont arrêté de produire. Donc évidemment que... Alors, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Hein. Il va falloir du temps, mais mettre quelque chose en place pour permettre à chaque pays de retrouver leur souveraineté alimentaire. Moi, j'aurais une autre solution, c'est d'arrêter le libéralisme. On n'est pas forcément d'accord. Mais c'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi, Michel. Mais les prix minimum d'entrée, de fait, arrêtent le libéralisme. Oui, alors, donc tu peux dire, je veux arrêter le libéralisme, mais tu fais comment? Oui, on fait donc moi, je dis, pour arrêter le libéralisme, on applique les prix minimum d'entrée. Je t'entends. Alors, on voulait parler aussi de petites choses autour, de tout ce qui concerne l'écologie et qui n'est pas traité du tout. Par exemple, il y a un truc que je trouve complètement hallucinant, c'est les avions fantômes de la Lufthansa, donc 18 000 vols programmés à vide, quasiment, par la Lufthansa, parce que ils veulent garder les créneaux qu'ils ont pour atterrir, pour se décoller. Oui, que les avions roulent pour la ville, c'est leur problème, mais c'est la pollution que ça engendre à chaque vol. C'est-à-dire que, alors là, on a l'impression justement que l'Europe est complètement déficiente sur... Elle pourrait complètement intervenir sur un truc comme ça. Mais l'Europe est déficiente sur plein de choses. Ouais. Après, il y a, dernier petit sujet, l'artificialisation des sols. Alors c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer ce qu'on voulait dire, mais bon, il y a entre autres eu les gens qui sont allés protester contre Wauquiez là-haut sur le plateau, parce qu'il y a cette dérivation sur la route qui a été faite à quatre voies avec une artificialisation très importante des sols. Ah. Et donc il y avait des écolos qui étaient là, entre autres des gens de la Combe d'ailleurs, qui étaient là pour protester. Il y a l'artificialisation due à Amazon, etc. Et évidemment, ce que l'on en constate de l'artificialisation, c'est tous les jours, quand on nous explique qu'il y a des gens qui se retrouvent avec de l'eau qui rentre chez eux, et qui... voilà, c'est-à-dire que plus les sols seront artificialisés, plus on aura de l'eau qui ne sera pas gérée, quoi. Oui, il n'y a pas que l'eau, hein. L'artificialisation des terres, c'est un gros, gros problème qui mériterait presque une émission. Bon, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'il y a quand même... Alors,
sans être trop optimiste, mais il y a quand même un progrès qui est fait, puisque depuis maintenant 2004, dans chaque préfecture, il y a ce qu'on appelle une CDPNAF, qui était anciennement une CDCEA, qui donc gère, donc avant tout le pouvoir était au maire. Aujourd'hui, donc, les avis sont quand même beaucoup plus compliqués, et avec la révision de tous les PLU et PLUI, et les SCOT et compagnie, tout ne va pas dans le bon sens, mais ça, quand même, ça progresse, c'est-à-dire qu'il y a une réelle prise de conscience qu'il faut arrêter l'artificialisation des terres. Alors, ce qui est différent sur le projet là, de la N88, puisque là, c'est un projet qui ne passera pas en CDPNAF, parce qu'il ne concerne pas des PLU, c'est d'intérêt public. Ce qui n'empêche pas, donc il faut absolument. Mais il n'y a pas que là, hein. Il y a aussi une voie, enfin, un pont qui va être construit sur Saint-Péret, sur lequel qui pourrait très bien ne pas avoir lieu. Voilà, il faut se battre là-dessus. Hein. C'est sûr que. En fait, le problème de ça, c'est qu'on développe des routes, on développe des façons de faire qui vont dans un système qui on nous dit c'est pour parce qu'il va y avoir de plus en plus de voitures, les gens vont faire de plus en plus de kilomètres, alors qu'au contraire il faut arrêter ça. Donc ça va, c'est un non-sens dans tout évident. Les chantiers qu'on a levés ce soir sont immenses. À bientôt, mais on se battra jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir. Ciao.